Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Un regard sur la Bible. Aujourd'hui dans cette émission, nous avons juste une demande à te faire. Valorise ton art et sois particulier. Et pour aborder le sujet, je suis avec un spécialiste dans un domaine très précis qui va vous aider à valoriser l'art que le Seigneur vous a donné afin d'être particulier. On se retrouve tout à l'heure pour en parler. Vous le savez très bien que c'est toujours un réel plaisir pour moi d'être en contact avec mes chers téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision JVA, votre chaîne chrétienne qui répand l'amour de Christ manifesté pour nous les hommes. Eh bien, ce matin ou aujourd'hui, nous avons à aborder un sujet qui va t'intéresser. Mon invité, bonjour. Bonjour, Tata Flora, moi aussi. Comment est-ce que tu vas? Ah, je me porte très très bien. Alors, mon invité se nomme Kolani Liwab. Comment est-ce que ça va, Colin? Ah, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Et les activités? Oh, ça avance, hein, comme d'habitude. Alors, peut-être déjà que tu es confortablement assis dans ton canapé et tu te dirais, ben, c'est comme je connais ce visage, c'est vrai. Il était là, il est là pratiquement un an, hein, ouais. Et où nous avions débattu le thème de orphelin. Exactement, et orphelin, comment j'ai pu réussir. Et il nous a parlé un peu de son parcours. Comment il a été très tôt orphelin de père et de mère, mais par la grâce de Dieu, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Eh bien, aussi, il a une association qui s'occupe justement des orphelins. Mon refuge, c'est ça. Oui, c'est ça. Association Mon Refuge. Donc, il fait des choses merveilleuses pour le Seigneur. Et donc, encore aujourd'hui, nous le retrouvons sur ce plateau pour aborder ce sujet. Eh bien, valorise ton art et sois particulier. Vous allez remarquer ma voix un peu cassée, c'est le rhume, mais ne vous en faites pas, on va s'efforcer pour pouvoir bien animer cette émission aujourd'hui. Alors, Kolani, oui. Je dirais que dans ce thème de ce jour, il y a le mot particularité, oui. Ou le particulier, oui. Et puis il y a l'art. Mais d'abord, j'aimerais savoir, quand on parle de particularité, où on demande à quelqu'un être particulier. Qu'est-ce qu'on attend de cette personne-là? Ah, la particularité, ça relève de beaucoup de choses, de beaucoup d'aspects. Dans le sens du travail et dans le domaine artisanal, on a besoin d'une particularité. Et il faut tout d'abord, cette particularité peut s'axer sur l'accueil, l'accueil du client. C'est ce qui déterminera le retour, le non-retour du client, surtout dans le domaine marketing. Et aussi le respect du client. Il faut d'abord respecter le client qui vient vers toi, qui se sente respecté. En outre, il faut le travail bien fait. Il faudrait que le travail soit bien fait, parce que tout le monde veut un travail bien fait, qu'il y ait une finesse dans le travail. Et le respect du délai. Et le respect du délai de livraison, de commande et de livraison. Et aussi, il faudrait une patience particulière, parce que le comportement du consommateur n'est pas chose aisée. Mmh. On dit souvent le client roi là. Oui, oui, il faut mettre le client à la première place. Parce que sans le client, le fonds de commerce ne saura pas exister. Parce que s'ils ne sont pas là, ça ne peut pas aller. Donc il faudrait qu'on mette l'accent particulier sur la patience. Parce que c'est un client, nous avons de différents tempéraments. De son colérique, il faut essayer de maîtriser tout le monde. Et depuis, la particularité peut s'asseoir sur quelques aspects que je viens de citer. Il y en a assez, donc on ne peut pas toucher tous. Mmh. Donc on s'en tient à ça d'abord. Alors, je pensais que déjà à l'entame de ton intervention, excusez-moi, tu as parlé de l'accueil. Oui. Je crois que c'est un élément assez capital dans chaque métier. Parce que parfois, tu arrives chez certains vendeurs ou certaines personnes exerçant un métier et tu as juste envie de retourner, quoi. Parce que d'ailleurs, le regard, quand tu as lancé, ça te terrorise et tu as juste envie de dire, c'est moi qui viens te donner de l'argent, quoi. Donc, je crois vraiment que cet aspect de la chose doit être vraiment, vraiment considéré. Et il en a cité plusieurs. Et peut-être que tu t'es déjà retrouvé, je ne sais pas, déjà, tu te vois, comment est-ce que j'accueille mes clients qui arrivent? Comment est-ce que je les considère? Est-ce que je les regarde du haut, d'une manière bizarre? Ou ma particularité, c'est peut-être embêter les clients et je ne livre pas mes produits à temps. Et quand ils, peut-être, veulent s'exprimer là-dessus, on se dit, tiens,
qu'est-ce que tu as à me dire? Non. Peut-être déjà, tu te vois dans un moule. Donc, reste confortablement là et on va aborder beaucoup de points dans cette émission. Alors, le thème nous dit, chrétien, valorise ton art et sois particulier. Enfin, sois particulier. Donc, c'est de la particularité en fait dont il est question. Il y en a tellement, mais il a fait qu'une petite liste pour nous et tu en sais peut-être aussi assez. Aujourd'hui, nous voulons savoir aussi, Liwab, et c'est quoi un art? Quand on parle de l'art, qu'est-ce qu'on veut entendre par là? Et on peut dire que l'art, un peu regroupé, c'est le moyen d'obtenir un résultat, selon le dictionnaire Larousse. Ouais. Et particulièrement, j'ai spécifié une définition propre à moi. Et je peux dire que j'ai défini l'art comme étant l'ensemble des caractéristiques, des moyens, des règles, des connaissances, des savoir-faire mises en œuvre par une personne appelée artisan, c'est-à-dire un individu appelé artisan, en vue d'obtenir un résultat qui est le produit ou le service rendu. En fait, c'est l'ensemble des connaissances que possède une personne évoluant dans un domaine afin d'obtenir le résultat qu'il attend. Et d'ailleurs, le résultat, je pense bien que ce n'est pas un résultat médiocre qu'il attend. Non. Toute personne qui commence à faire quelque chose veut un résultat fiable, veut l'excellence. Ouais, donc, c'est l'excellence que nous poursuivons. Donc, nous devons respecter. Dans la définition, j'ai parlé des règles. Il faut marcher selon les règles, les procédures, les procédés, vous voyez, et ajouter sa connaissance que Dieu l'a donnée pour pouvoir réaliser un produit fini. Cela veut dire qu'on ne va pas commencer par le milieu et attendre un résultat meilleur. Il va falloir forcément commencer par le début et peut-être arriver au milieu et puis continuer et terminer. Donc, c'est tout un processus. On quitte le point A et passer peut-être par le point A, peut-être. Obligé. Point A, obligatoirement. On passe par le point B, le point C, jusqu'à peut-être le point Z. Alors, quels sont les différents artisans ou bien quels sont les différents métiers artisanaux que nous avons dans notre vie courante, je veux dire. Tout d'abord, en partant de cet aspect, nous allons parler on est dans un pays. Bien sûr. Okay, le Togo regroupe les activités en quatre secteurs. Yeah. Le secteur alimentaire, le secteur fabrication, le secteur BTP bâtiment, le secteur service. Okay. Oui, donc c'est ce que notre pays, cher pays, le Togo, c'est en ce sens qu'il regroupe les activités en secteur. Oui. D'accord. Donc, par rapport à cela, bon, il y a plusieurs domaines artistiques, artisanales au Togo. Plusieurs. OK. On peut les connaître. Oui. Tout d'abord, pour parler de cela, il faut d'abord revenir à la Bible. Qui est notre fondement à tous, notre source, chrétien, notre source. Oui, notre soubassement. La Bible dit au commencement de la parole. Yeah. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par lui. Que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui. Sans la Dieu, parole, sans bien la sûr. Parole qui était Dieu. Et en créant l'univers, Dieu a parlé. C'est le grand artisan, le grand architecte, c'est notre Dieu, le Tout-Puissant. Et quand on voit dans le jardin d'Éden, il a dit que l'homme, Adam et Ève, travaillaient la terre pour se nourrir. Donc là, on vient dans le secteur alimentaire. Vous voyez un peu? Il y a tout dans la Bible. Et au niveau de, avec le peuple d'Israël, il y a plusieurs aspects dans la transformation. On a dit, lorsque Moïse était parti sur la montagne pour prendre les 10 commandements, à son retour, le peuple réclamait un Dieu. Et on a demandé à chacun de descendre son bijou pour qu'ils fassent, et ils ont fait le veau d'or. Yeah. Et qu'ils avaient d'ailleurs adoré. Et qu'ils avaient adoré, ce qui n'était pas bien. Mais s'ils ont sorti leur bijou, c'est qu'il y a des transformateurs qui ont transformé les choses. L'or. Vous voyez, il y avait des forgerons qui ont sorti, les bijoutiers qui étaient là. Vous voyez, qui ont fait cela. Au niveau de Esther, quand nous allons un peu vers Esther dans la Bible, elle a été parée dans le royaume. Les femmes des rois étaient parées avant d'arriver dans le palais. Elles étaient entretenues par les services. Des pommades, donc des on voit l'esthétique. Ok. Vous voyez, les rois étaient habillés. On voit la couture. Un vêtement, les tailleurs étaient là, même s'ils n'ont pas été énumérés. Si nous voyons le roi ne peut pas aller pieds nus, il a porté les chaussures. Forcément.
Donc, il y a un cordonnier là-bas. Il y a un cordonnier là-bas, comme moi, comme ça. Donc, et puis, le roi ne peut pas se déplacer sans avoir une belle coiffure. Non. Bien qu'il ait sa couronne, il aura forcément une coiffure. Donc, il y a un coiffeur là-bas. C'est ça. Si nous voyons un peu, en allant, au début, la Bible a dit que Jésus travaillait avec son père, qui était Joseph, qui était charpentier. Et que quand il était encore sur la terre. Hein? Sur la terre, bien sûr. Il y avait les menuisiers là-bas. Yeah. Ouais. Noé avait conçu l'arche. Vous voyez? Donc, il y avait tout, presque tout. Tout dans la Bible. Il y avait tout. Tous les secteurs étaient regroupés. Vous voyez? Si nous allons au niveau de la maçonnerie, on peut citer Barthélemy. Qui était un architecte. Vous voyez un peu? Il y avait les forgerons qui étaient là. Donc, on peut dire que la Bible est la Genèse. Il y avait aussi Bezalel et puis Oliab, ces deux-là. Oui. Ouais, il y en a assez. Tellement. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça se trouve dans la Bible, c'est biblique. Le fondement est la Bible. C'est ça. Donc il y avait tous les corps de métier. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a tous ces corps de métier dans notre monde actuel. Oui. Et avant de venir ici, je me suis préparée. Et forcément, il y a eu une couturière à quelque part qui a préparé cette tenue que j'ai portée. Et c'est parce qu'il y a une coiffeuse à quelque part et qui m'a coiffée. Et voilà, parce que, vous voyez. Et donc, ce qui veut dire que dans tous les domaines, il y a quelqu'un pour s'occuper de quelque chose, pour le bien de l'homme. Parce que c'est pas tout ce qui se fait, en fait, c'est l'homme qui est au centre de tout ceci. Et c'est en l'homme que Dieu a déversé toutes ses capacités, tous ses savoir-faire. C'est en l'homme que Dieu les a déversés. Une des choses pour manifester sa gloire et donner à l'homme sa valeur sur la terre. Et donc, Dieu ne fait absolument rien au hasard. Parce que, d'ailleurs, c'est lui qui est le premier architecte. Ouais. Et on l'a vu, comment il a créé ce beau monde dans lequel nous sommes. Ce monde, je dis toujours que malgré les conflits, malgré les problèmes, ce monde est magnifique. Dieu est un excellent architecte. Et donc, quoi de plus normal, mon cher frère, ma chère sœur, que tu valorises ton art et que tu en sois particulier. Moi, je croyais que tu allais parler de l'excellent architecte en parlant de toi. OK. Parce que nous avons été créés par Dieu. Nous sommes beaux, nous sommes belles. Yeah. Donc, quand Dieu voulait travailler, c'est nous qui l'avons construit premièrement. Et bien sûr. On ne peut jamais dire. Il nous a créés, on est beaux, n'est-ce pas? Nous sommes beaux, j'espère. Nous sommes de très belles créatures. Toi qui nous regardes de loin, tu es très belle, tu es beau. Donc, c'est Dieu. Dieu, c'est le meilleur architecte et le meilleur concepteur de tout. Je me rappelle de ce verset, je ne sais pas si je vais le citer exactement. Je pense que c'est David qui dit « Je te remercie, mon Dieu, d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. » Alors, vous voyez, il a considéré, l'auteur de cette citation s'est regardé, il a considéré sa vie, je ne sais pas, les dimensions dans lesquelles il était allé, peut-être ses cheveux, ses mains, son corps. Il s'est peut-être arrêté devant un miroir pour se regarder et dire à la fin, bah, Tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Et donc, Dieu est un Dieu qui fait des merveilles. Et nous sommes aussi appelés à en faire. Et donc, tous ces corps de métier, bien que la Bible n'ait pas cité cela exactement, on peut réaliser que cela se trouve par son intervention, les différents exemples qu'il a donnés, il est clair et précis et net que tous ces corps de métier se trouvaient aussi dans la Bible. Alors, Colani, particulièrement toi, dans quel domaine est-ce que tu évolues? Ok, merci beaucoup, merci encore une fois. Moi, je suis un cordonnier maroquinier. C'est-à-dire, on sait cordonnier, mais maroquinier, là, voilà. Ok, la cordonnerie, c'est ce qui utilise les peaux locales, les peaux industrielles, tout ce qui est en cuir, pour fabriquer les chaussures, les ceintures, les porte-monnaies et tout. Et les maroquiniers, eux aussi, ils utilisent les mêmes choses. Et en ajoutant cela, ils utilisent les pagnes, les tissus, tels que le laine, tels que les choses, je ne sais pas, comme du raffia, pour fabriquer les boucles d'oreilles, les accessoires en pagne, tous les sacs. Donc, moi, j'en fais tout, les deux, je suis axé sur les deux. Donc, je suis les maroquiniers, c'est eux qui font ça, les cordonniers font les chaussures et tout, les ceintures et tout. Donc, moi, je fais les deux, donc je suis un cordonnier maroquinier. D'accord. Alors, je pensais que la dernière fois, dans notre première émission,
Tu m'avais offert une boucle d'oreille. Je crois que je l'avais portée la dernière fois. Je crois que la prochaine fois, je vais la remettre. Et là, vous serez... Enfin, je crois que vous connaissez déjà cela. Et ce sont des sacs qu'on habille en pagne, en tissu, les boucles d'oreille. Eh bien, voilà, il est dans ce domaine-là. Alors, j'aimerais savoir, Colani, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire pour un chrétien? Parce que le thème l'a bien précisé. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire pour un chrétien de valoriser son art? Ah, merci. Vous savez, aujourd'hui, nous pouvons avoir les âmes par tous les moyens. Parce que l'excellence amène des âmes. Mm. Oui. Okay. Quand nous avions eu à fréquenter ceux qui étaient les meilleurs, on avait tendance à leur demander comment vous faites. Mm-hmm. Comment tu fais pour pouvoir être meilleur en mathématiques, en comptabilité et... Moi, j'ai fait la G3. Comment tu fais pour être meilleur en matière de base en technique commerciale? Comment tu fais pour avoir 20 sur 20, pour avoir 19? Ouais, étant chrétien, il faut une particularité. Ils pouvaient nous dire que c'est leurs idoles qui les aidaient. Mm-hmm. Mais nous avons le grand Dieu que nous avons. Il faudrait que nous ayons cette particularité dans tous nos domaines pour pouvoir impacter les autres qui sont tout autour de nous. Et là aussi, on peut mentionner la rigueur. Oui, la rigueur. La rigueur et la procrastination, yeah. On doit l'éviter. Yeah. 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 Et si nous voyons dans la Bible même, on a dit Daniel était 10 fois supérieur mm-hmm. aux autres. C'est parce qu'il avait une particularité. Mm-hmm. Nous disons aujourd'hui, je veux être le Dieu de Daniel. Mm-hmm. Le Dieu de Daniel, il était 10 fois supérieur aux autres. Vous voyez, on prend des gens de la Bible aujourd'hui parce que c'est grâce à leur particularité qu'on arrive à les citer aujourd'hui. Sinon, n'eût été leur particularité, on n'allait même pas citer leur nom. Dans nos prières, des fois, quelquefois, on dit, je veux le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est parce qu'ils ont eu être particuliers à leur saison, à leur temps. Mm-hmm. Vous voyez? Donc, il faut une particularité. La particularité dans l'art, et surtout pour nous, les chrétiens, doit impacter les autres. Mm-hmm. Justement, parlons de l'impact que nous devons avoir et parlons aussi du pourquoi est-ce que nous devons valoriser notre art. Tu vois, justement, quand Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la maison du roi, ils étaient par après jetés dans le feu. Oui. Mais ils ont cette air-là d'écoute attentive de la parole de Dieu, de pouvoir obéir aux lois et aux principes de Dieu. Ils étaient des hommes rigoureux, des hommes faits selon le plan de Dieu et des hommes capables de pouvoir comprendre les temps et les saisons, les discerner. Et donc, et par cette particularité, ils ont pu impacter l'histoire de leur époque. Et aujourd'hui, nous sommes en contact direct avec ces paroles. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut forcément valoriser son art? Tu le disais au début, en tant que chrétien, c'est parce que nous devons avoir de l'impact. Et cet impact-là, comment est-ce que cela va se ressentir, Colani? En fait, l'impact doit être ressenti dans nos activités, mm-hmm. dans ce que nous faisons au quotidien. Yeah. Donc, moi particulièrement, des fois, quand je travaille, je dis aux gens ce que c'est Dieu qui me l'a donné. Okay. C'est une particularité. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Parce que quand tu fais un travail et on te demande comment tu y arrives, je dis non, c'est Dieu qui me l'a fait. Ça, c'est une particularité. Ouais. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à le dire oui. comme ça. Ils conçoivent leur propre force oui. et leur pouvoir, en fait. Parce que quand je travaille des fois, mes apprentis, d'autres sont là bouche bée. Parce que moi, quand je cherche un matériel, je ne trouve pas, je crée en même temps. Tu crées? Oui, en même temps. Je ne cherche, je sais que je peux faire 5 minutes pour le faire, je le fais en même temps. Ah bon? La preuve que j'ai une de mes apprentis qui a passé le CFA l'autre fois, elle a créé sa maquette en 10 minutes. Mm-hmm. Ce qui devait être créé en demi-journée. Oh. Oui. Et parce qu'elle elle a acquis la chose, en fait. Ça. Oui, non, ça, c'est sa particularité. Et là, on lui a demandé... C'est ça fait l'habileté, quoi. Oui, j'étais pas là, mais on a demandé, qui est ton patron? J'étais pas là présent. Oui, non. Cette particularité qu'elle a acquise, que je lui ai transmise, a sorti mon nom quelque part. Mm-hmm, mm-hmm. C'est ce qui fait qui va devoir nous aider, mm-hmm. nous pousser aussi, mm-hmm. être particulier dans tous les domaines. Mm-hmm. Nous sommes. Cette particularité pourra nous aider à impacter en tant que chrétien. Les autres, notre entourage, et à leur évangéliser. Oui. Parce que quand j'étais venu, j'ai dit, je n'ai pas appris ce métier. Ils ont dit, non, comment c'est impossible? J'ai dit, c'est Jésus qui me l'a donné. Donc là, c'est un moyen de transmettre la connaissance, de transmettre le message directement.
Donc, notre particularité va nous permettre d'évangéliser directement. Hmm. Et moi, ça m'aide dans tous les domaines. Alors, ça me rappelle quelque chose. Chers téléspectateurs, nous sommes dans votre émission Un regard sur la Bible. Aujourd'hui, il est question d'interpeller le chrétien afin qu'il puisse arriver à valoriser son art et être particulier. Et notre invité du jour, c'est un cordonnier maroquinier. Et c'est avec lui que nous sommes en train de réfléchir, de décortiquer ce sujet passionnant. Parce que je sais que plusieurs, peut-être que toi qui me regardes, je ne sais pas, tu es un prédicateur, tu es un commerçant, tu es un coiffeur, tu es une couturière, je ne sais pas. Mais je crois que tu auras ta part à tirer dans cette émission si tu y prêtes attention de bout en bout. Je voulais dire quelque chose la dernière fois, je passais. Quand on parlait de l'habileté, et moi je veux aussi ajouter quelque chose, la précision dans les choses. Je passais devant un atelier, tout le temps que je passais là-bas, et qu'est-ce qui a retenu mon attention? C'est la manière dont cette dame-là faisait cette découpe. Attention. Et à chaque fois que je passais, j'étais impressionnée. Colani, j'étais impressionnée parce que je me dis, mais qui est cette dame? Ne sachant pas que c'était une femme, enfin, c'est une femme de Dieu. Je ne le savais pas. Mais à chaque fois que je passais là, il y a quelque chose qui m'attirait. Ouais. Chrétien, tu as de la force. Ouais. Tu as de l'aimant spirituel pour attirer les gens. Il le disait tantôt que nous sommes là pour sauver les âmes, pour attirer les gens. Et donc, par ton art, tu peux sauver, tu peux évangéliser. Alors que cette dame avait quelque chose que moi, je ne connaissais pas. Mais à chaque fois que je passais, parce qu'elle avait de l'impact sur sa vie, parce qu'elle était précise, parce qu'elle était particulière, moi j'étais attirée par ce qu'elle faisait. Et parce que la main de Dieu était sur elle. Moi je ne savais pas qu'elle était une femme, une servante, une pasteur d'ailleurs. Je ne le savais pas. Mais la manière dont elle déposait, enfin ses mannequins étaient habillés, j'étais, je ne sais pas, conquise en fait. Et quelque chose me dit, va vers elle. Et je l'étais allée. J'étais impressionnée tout simplement. C'est pour te dire que le Seigneur fait des choses. Je me rappelle qu'il y avait une dame qui était allée coudre chez une femme, une couturière. Et qu'elle était allée, elle avait des problèmes dans sa vie, des choses qu'elle ne disait pas en fait. Mais dès qu'elle était entrée, parce que cette femme-là, elle est chrétienne, elle recevait la voix du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, écoute bien, celle-là qui est venue, ce n'est pas une cliente, mais parce que j'ai quelque chose à lui dire, je l'ai attirée vers toi. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas glorieux, chers téléspectateurs, téléspectatrices? Peut-être que tu es cordonnier comme notre invité. Peut-être que tu es forgeron. Peut-être que tu es maçon. Peut-être que tu es quoi, je ne sais quoi. Quoi que tu sois, il va falloir que tu draines cette onction-là. Il faut que tu valorises ton art. Il va falloir que tu sois paresseux, négligent, nonchalant. Et tu es là. Les gens viennent, c'est comme ce sont eux qui sont en guerre avec toi. Non, ils sont venus te donner de l'argent. Parce que nous avons de l'impact. Parce que nous avons quelque chose à communiquer au monde. Et donc, par ton art, tu peux sauver les âmes. Est-ce que tu as compris? Peut-être que tu commences déjà par apprendre un métier. Mais être sérieux dans le métier que tu apprends, c'est un problème pour toi. Non, le Seigneur ne le veut pas comme ça. C'est une mission, en fait, qu'il t'a confiée. Il va falloir que tu te lèves rapidement et que tu y ailles. J'espère que tu m'as compris. Alors, je reviens à toi, mon cher Colani. Nous savons que pour pouvoir arriver à avoir des résultats meilleurs, des résultats excellents, il doit y avoir des stratégies à développer pour pouvoir le faire. Mais avant d'en arriver là, j'ai envie de présenter à nos chers téléspectateurs tes produits. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Sors-moi les choses, je vais voir. Voilà. Ce sont là les chaussures. T'as pas amené des produits de maroquinerie? Non, aujourd'hui. Bah, dis j'ai... donc, t'as pas apporté. Prochainement, pour la prochaine fois. D'accord. Alors, moi, j'aimerais savoir, Colani, est-ce que t'as appris ce métier de cordonnerie à quelque part?
Je peux dire non, 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 non. T'as pas appris ça? Non. Et comment tu as fait? Alors, c'est vrai, il y a une maman qui m'a dit une chose, un jour, que je n'ai jamais oublié. Pendant que ta maman n'était pas là? Non, ma maman n'était pas là. Mm-hmm. Et la personne a dit que l'école des souffrances forme des élèves exceptionnels. Yeah. Et c'est dans la peine et l'affliction d'aujourd'hui que ça racine la gloire de demain. Yeah. Car, aussi longtemps que le cœur bat, tout est possible. Aïe. Ouais. Un cœur vaillant, rien de tout. Et la souffrance n'est pas un mal en soi. Yeah. À certains niveaux, ceux qui ont traversé des situations ont appris beaucoup de choses. C'est là que je m'en vais dire un merci au ministre de l'enseignement technique qui a mis en place un projet, le corps tout, qui est au niveau du lycée technique. D'accord. Le stage obligatoire de seconde en terminale. Bah, c'est super. Pour les élèves du lycée technique. Parce que j'ai reçu certains élèves ces vacances qui ont appris de tout, ont eu le goût. Le goût du travail. Et donc, toi particulièrement, tu ne l'as pas appris? Non, je ne l'ai pas appris. Comment c'est venu? Et c'est là que j'ai parlé de l'école de souffrance. Quand on était enfant, il y avait un cordonnier à côté de notre mur qui était, moi j'avais l'âge de 6-7 ans. Et tu veux connaître mon histoire, là? Ouais. Tu le fais bref. Hein? OK. Donc, qui était parti. Et là, les gens menaient, je suis pour réparation. Ah oui, tu l'avais dit quand j'étais là. Quand j'étais là, l'autre fois. Et mon frère a pris la relève quand il était parti. Le cordon était parti. Mm-hmm. Donc, il gagnait de l'argent. Arrivé au moment, il a laissé. Mm-hmm. Moi, j'ai repris la main. OK. C'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait un peu de revenus là-dedans. Mm-hmm. Et je me suis enraciné dedans jusqu'à aujourd'hui. Mm-hmm. Super ça. Alors, ce sont de très bonnes peaux. Si moi je vois, de très... Waouh. Vous voyez, c'est avec ses mains. Oui, le Seigneur a déposé quelque chose en lui. Et quand une petite opportunité, l'école de la souffrance l'a formé, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Des paires de chaussures, des cures, et puis des tapettes. Vous voyez. C'est au Togo, hein, c'est pas en Chine. Non, 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 c'est au Togo. Et maintenant, pour tes matières premières, tu les trouves où? Amène l'autre là, je vais voir. Les matières premières, il y a des endroits où on les achète. Okay. J'amène ça du Nigeria, du Nigeria, du Ghana, et de l'Angleterre, des fois. Bon. Mais ça ne vient pas directement au Togo. C'est là que je m'en vais demander une doléance au gouvernement togolais d'amener, d'essayer. D'exonérer les tasses pour l'importation des matières premières. Parce que parfois, les coûts sont très élevés. Des fois, vous savez, on voit le Nigeria, les gens fabriquent des choses moins chères. Parce que le pouvoir d'achat du consommateur lambda au Togo, pas que ça. C'est très faible. Mais si on va amener les produits du Nigeria, traverser la frontière, payer les frais douaniers, et puis du Ghana, tout ça, ça nous coûte un peu cher. Donc, et les machines aussi. Donc, si l'État, le gouvernement pourrait nous aider en tant qu'artisan, et spécialement dans, je parle de mon domaine, je ne sais pas, je ne connais pas le problème des autres. Et amener les matériels ici au Togo, à un prix abordable, ça nous aiderait. On s'en a procuré. Des fois, bon, on a des Togolais aussi qui vont là, acheter, qui viennent nous vendre. Et ça nous aide. Je profite pour dire merci à un grand frère, le frère Désiré, qui nous aide même dans les situations difficiles, il nous donne des marchandises d'aller travailler et puis après de venir les régler. Okay. Je dis merci. Et aussi, si le tas pourra nous aider dans ce sens. Ça nous encouragerait. Et là, parce que tu as été fidèle. Hein. Sinon, je ne pense pas que le frère Désiré allait continuer par fournir les matières premières. Hein. Oui, donc toujours, je le disais toujours, il faut se baser sur la confiance mutuelle dans le domaine des affaires pour pouvoir évoluer. Donc, il faut une confiance mutuelle. Super ça. Alors, je vois qu'il y a cette tapette-là aussi, qui est d'ailleurs très belle. Et les femmes, rapidement, faites plaisir à vos maris. Hein. Voilà. Alors, je vois que c'est tout. Ce sont les différents modèles que tu arrives à produire. Mais quelles sont les stratégies que tu mets en place afin de pouvoir faire connaître ton produit et le valoriser? Et tout d'abord, il faut voir la qualité-prix. D'accord. Oui. Et regarder, discuter avec les clients. D'abord pour voir leur pouvoir d'achat, parce que ici ça ne va pas. Il faut bien communiquer, être à l'écoute, la stratégie de communication, la stratégie de produit, qualité, prix.
et voir le reste, parce que c'est ça l'essentiel. Mm-hmm. Il faut utiliser le réseau, yeah, Internet aujourd'hui, qui, mm-hmm, avec le TikTok. Est-ce que tu es sur TikTok? Sur TikTok. Et sur TikTok, je suis presque sur les réseaux. Oui. Mm-hmm. Parce que la vente aujourd'hui, c'est pas la télévision, tout l'Internet vend plus. Mm-hmm. Les pages web, tout. Donc, mm-hmm, ça aide à pouvoir communiquer au mieux. Mm-hmm. Parce que pour nous qui n'avons pas encore les moyens un peu élevés, yeah, pour prendre l'audience sur les télévisions, chaînes télé, mm-hmm, c'est un peu comme on fait une faveur aujourd'hui. Donc je remercie la télévision. Le Seigneur nous a mis à cœur peut-être ce thème afin de pouvoir faire quelque chose. Je remercie la RTJVA, mm-hmm, aujourd'hui qui essaie d'encourager les jeunes, yeah, entrepreneurs chrétiens. Yeah. Et si tu voudrais venir, il faut quand tu es chrétien, déjà tu viens, il y a pas de souci, hein. Il faut nous contacter quand on est à Flora, yeah, et puis il faut faire quelque chose pour toi aussi. Et bien sûr, parce que on est en train de réfléchir, on verra dans quelle mesure faire valoriser vos produits et puis faire connaître vos différents événements. On y pense, donc ne vous en faites pas, ça ira. Donc il faut une bonne communication, mm-hmm, et dans sur ce sens, et puis ça pourra mener, et le prix, que ce soit abordable, mm-hmm, c'est ce qui fait que le prix est extrapolé des fois trop élevé, c'est ce que je disais, c'est le matériel. Mais essaye de nous comprendre aussi, et puis de négocier. Il faut une négociation commerciale entre les fabricants et puis les artisans et puis les acheteurs. On peut mettre en place une stratégie de règlement par tranche, mm-hmm, ouais, pour pouvoir les motiver parce que ça ne va pas. Et aussi une bonne communication, ça pourra nous aider. C'est ce que moi je mets en place pour pouvoir aider mes clients. Yeah. Et aussi la constance dans la production des produits. Peut-être tu produis aujourd'hui, demain tu ne produis pas, après demain tu ne produis pas. Le client vient chercher. Ben, c'est vrai, tu fais des choses excellentes, mais finalement tu vas disparaître comme une fumée, quoi. Tu ne seras plus jamais vu. Donc, je pense que cet aspect aussi de la chose, il va falloir vraiment que nos chers téléspectateurs réfléchissent là-dessus. Surtout quand on est artisan, peut-être t'es couturière, t'es quoi, je ne sais pas. Tu ne viens pas, peut-être tu viens demain, hier. Et puis voilà, c'est en dents de scie. Et la personne, le client, moi par exemple, quand j'arrive devant ton atelier et puis tu n'es pas là, moi je m'en vais tout simplement. Donc je crois que la constance aussi permet, et l'une des stratégies que, bon, dernièrement, je me suis rendu compte que plusieurs vendeurs en e-commerce, voilà, ils mettent beaucoup en place pour pouvoir faire connaître leurs produits et permettre à ce que ce soit beaucoup plus connu. Il y a des gens aussi qui parlent de leur statut. Il y a certains, leur statut, c'est les selfies comme ça. Non, bon, c'est bien, mais quand même, à un moment donné, on arrête. Il faut mettre les marchandises et se faire de l'argent. Donc, quand tu es artisan ou tu es dans un domaine et que tu produis des marchandises et tout, il va falloir vraiment, comme il a dit, mettre en place une bonne stratégie de communication, et tous les autres s'associent, et puis tu deviendras quelqu'un qui va tenir de l'argent. Les Ivoiriens disent l'an. Tu vas tenir l'an. Donc, voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais Koulani, on dit souvent que il faut travailler comme si Dieu n'existait pas. Et toi, quelle place occupe Dieu dans ta vie? Enfin, dans ton art, je veux dire. Okay. Dieu occupe la première place. D'accord. Parce que j'ai dit précédemment que c'est Dieu, c'est un don. Mm-hmm. C'est Dieu qui me l'a donné. Mm-hmm. Sans lui, il peut aujourd'hui me l'arracher, s'il veut. Mm-hmm. Donc, je sais que Dieu occupe la première place dans ma vie, dans tous les domaines. Yeah. Et comme le dit-on, il faut travailler, mm-hmm, comme si Dieu n'existait pas. Mm-hmm. La partie B a dit, yeah, de prier comme si tout dépendait de Dieu. C'est deux choses qui doivent être mises ensemble. La première, la partie A, vous devez simplement nous dire, en tant que chrétien, de ne pas être des paresseux et compter que sur Dieu. Mm-hmm. Vous voyez, se réveiller lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le dimanche, on demande à faire l'offrande. Tu es là, tu n'as rien fait comme travail. Rémunéré, qui va te donner de l'argent à donner à Dieu. La Bible, c'est la Bible également qui a dit qu'il y a la bénédiction dans le donner qui est dans le recevoir. Mm-hmm. Quelqu'un qui va travailler un peu, quelques jours, qui gagne, qui vient donner à Dieu, il sera plus béni. Mm-hmm. Dans la première phase, je nous dis, en tant que chrétien, de ne pas être des paresseux. Si tu as des diplômes et que tu n'as pas de boulot, crée le boulot. Yeah. Crée ton emploi. Et la deuxième place. Et d'ailleurs, tu as un master. Hein? Oui. Voilà. T'as un master, le master est là-bas. Oui, le master est là. Et c'est la cordonnerie et la maroquinerie qui est là. Voilà. Donc là, la deuxième partie, vous devez être simplement dire aux chrétiens de beaucoup prier. Okay.
Mon exemple personnel, quand je viens des fois à l'atelier, j'organise les enfants. Quand j'arrive, je dis, qui a prié aujourd'hui? Oh, d'accord, c'est qui a ouvert? Ouais, parce qu'ils sont programmés, ils viennent le matin tôt avant moi. Mmh. Tu en as combien d'apprentis maintenant? Actuellement, j'ai 3 apprentis qui sont okay. là. Ok, mais il y en a eu beaucoup. Oh, non, ils sont partis. Mmh. Ils sont partis. Je profite de l'occasion, s'il faut dire un merci à toute Catherine qui m'a honoré l'autre fois à l'examen. Yeah. Je profite pour lui dire merci. Mm-hmm. Je vais pas c'est, dire, c'est l'une de tes apprenties. Oui, c'est l'une de mes apprenties. C'est une fille qui a été dynamique. Elle est toujours là. Oui. Sauf qu'elle est un peu occupée ces derniers moments. Non, elle viendra un jour. Elle est toujours là. La dernière fois, dans notre émission de fin d'année, l'année dernière, elle était là avec nous. Ouais. Elle est géniale, elle est spéciale, donc je la dis merci. Alors Catherine, continue comme ça, et je crois que le bonheur est juste à côté. Et tu l'as déjà saisi. Et donc, nous devons prier aussi, ardemment. Des fois, quand j'ai un petit de 10 ans, pendant l'enfant, un grand frère qui vient toujours habituellement, et frère Marcel, que je dis que je profite pour saluer, c'est un grand frère, c'est un frère, je dis merci. Et l'enfant sort aujourd'hui, il a 11 ans. Yeah. Les vacances passées, les vacances qui sont passées, il a fabriqué 2 paires de chaussures. 10 ans? Les fermées, oui. 10 ans? Oui. Attends, comme ça? Oui. Ouais, c'est un peu étonnant. Il va falloir qu'on l'accueille un jour. Ouais, je vais l'amener un jour. Ouais, c'est un peu étonnant. Waouh. Mais c'est touchant, c'est ce qu'on doit initier, ce qu'on doit transmettre à nos enfants, aux générations futures. Il commence par avoir de l'art. Yeah. Déjà, à cet âge. Yeah. Si demain il finit ses études, il peut écrire, s'il veut continuer, il peut travailler sur ce domaine. Ne pas être cordonnier, mais développer ce domaine. Tu vois? Écrire là-dessus. Aujourd'hui, quand tu vas sur des pages Google, tu tapes cordonnerie, il n'y a rien de développé sur notre dans ce Otogo, domaine-là. Oui. Tellement développé pour surtout au Togo. Oui, surtout au Togo. Okay. Tu vas voir les Marocains, les Tunisiens, ils ont développé les choses là-dessus. Il va falloir que ça commence par toi au nom de Jésus. Amen. Ça va arriver. Ça va arriver. Ouais, donc, on doit développer ce domaine. Parce que quand les industriels vont chercher à venir au Togo, ils doivent taper sur eux. Ils n'ont pas le temps de venir sur le territoire. Mm-hmm. Ils doivent voir sur Internet pour voir ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a au Togo. Quelles sont les opportunités à saisir avant de venir. S'ils ne trouvent rien, ils ne sauront pas sur quel axe venir. Ouais, non. Sur quel axe investir. Si on sort les problèmes et les opportunités pour les motiver à arriver sur notre territoire et en même temps d'embaucher nos frères et sœurs qui sont des artisans qui n'ont pas les moyens à pouvoir travailler et cela va diminuer le taux de chômage au Togo. Et le petit s'appelle comment? Il s'appelle Merveille. Hey, Merveille, comment tu vas? Coucou spécial à toi, continue comme ça. Emboîte le pas de ton papa et je crois que tu vas faire des merveilles. À ton papa aussi, Marcel, nous te disons merci d'avoir laissé ton fils. Merci de ne l'avoir pas surtout obligé à dire non, bah, tu viens, tu vas devenir comptable, médecin demain. Donc, bon, voilà quoi. Merci de l'avoir laissé. Et donc à toi, Colani aussi. Merci à toi pour tout ce que tu investis en cet enfant. Mais je le dis parce que je dis habituellement la même façon de réussir, c'est ne pas avoir des connaissances. C'est-à-dire? Tu vas chercher, je m'explique. D'accord. Si on dit que quelqu'un a réussi, c'est pas d'avoir le grand diplôme, d'avoir de l'argent, assez tellement, mais la meilleure façon de réussir selon moi, selon ma conception, ma compréhension, c'est le fait de transmettre sa connaissance qu'il a aux générations futures. Yeah. Parce qu'après toi, il faut que ça perdure. Après toi, que ça perdure dans le temps. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des comportements qui rendent inefficace l'artisan? Évidemment. Ouais, on veut le connaître. Ouais. On en a brossé dès le début, mais voilà, vas-y. Je veux dire, un artisan qui est menteur. Il dit, bah, je suis là, viens. Et tu arrives net et puis il n'est pas là. Non, là, laisse même ça. Mm-hmm. Tu passes une commande, il y a la date de commande, la date de livraison. Ok. Tu viens, il n'est pas là, il n'a rien fait. Il a bouffé l'argent, il n'est pas là. Soit qu'il est là, il est dans la chambre, il dit aux apprentis de dire qu'il n'est pas là. Mm-hmm. Tu l'appelles, il ne décroche pas. C'est de l'inefficacité. Mm-hmm. Surtout quand on est chrétien, quand on se comporte comme ça. Surtout chrétien. La Bible a dit de ne pas être des menteurs. Mm-hmm. Ouais. On ne doit pas être colérique. Ouais, il faut avoir un sens d'humeur, d'humour, pour pouvoir bien accueillir les clients. Le manque de sérieux dans le travail. Ouais, il faut du sérieux. Chez nous, particulièrement à Cordonnier et Bénézère, quand tu viens, tu passes une commande, même si c'est la retouche, nous, on t'appelle même avant l'heure. Je peux te donner un délai de livraison de 2 semaines, mais je peux faire ça en une semaine, je t'appelle. Okay. Ouais, non.
si je ne le faisais pas, c'est inefficace. Bien sûr. Oui, non. Donc, il faudrait qu'on mette le sérieux dans le travail, le manque de respect, le manque de, du respect du délai, je l'avais dit précédemment. Le délai de livraison. Délai de livraison, bien sûr. Et donc, et l'utilisation de mauvais matériel. OK. Ça, voilà. C'est un aspect qu'on n'aime pas toucher. Mes enfants me disent habituellement, patron, on n'a qu'à faire ça, comme les gens viennent demander. Je dis non, parce que tu sais, quand tu fais un produit de mauvaise qualité, ça te rend inefficace. Pourquoi je le dis? Notre meilleur moyen de communiquer, c'est nos clients. Oui. Ah oui, hein? C'est de bouche à oreille. L'autre va dire, ah, je connais un cordonnier quelque part ici qui va faire un travail, ça a duré. Même si c'est, il va oublier les dépenses qu'il va effectuer, le déplacement, mais il va venir, ça te rend efficace. Donc l'inefficacité, c'est d'utiliser le mauvais matériel. Exactement, de bouche à oreille. Par exemple, tu as fait une mauvaise expérience avec peut-être un cordonnier, je ne sais pas trop. Et puis, voilà quoi, ton ami dit, bah, je vais aller remettre mon produit. C'est cette personne-là que tu vas, n'ose non, même pas, s'il te plaît. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent maintenant et qui sont en train de rire sur leur canapé. Mais oui, c'est vrai. Et peut-être que tu as déjà vécu ça. Donc, ça te rend tout simplement quoi? Inefficace. Si tu es un artisan, que tu le fais. Donc, le manque de précision dans le travail et le manque de finition. Ouais. C'est un aspect aussi très, très important. La finition n'est pas ça. La finition, il faut utiliser de bon matériel. Et parfois aussi, par exemple, nous prenons l'exemple des couturières. Après, il y a des épingles qui te piquent carrément. Moi, des fois, quand on me fait les choses, les tailles me font des trucs. Des fois, je ne porte pas. Quand ça ne me sert pas, je ne porte pas. Ah ouais. Parce que moi, je ne suis pas gros. Si je porte quelque chose qui est ouais, c'est le clouage pour moi. Non, je ne vais pas porter. Donc, il faut la finesse, une bonne finition et pour un travail bien fait. Merci beaucoup, Colani. Ouais. Je crois que cette mission va apporter quelque chose à quelqu'un qui nous regarde à quelque part maintenant. Je crois que tu as compris qu'en tant qu'artisan ou exerçant un métier, il va falloir avoir un certain nombre de qualités qui pourra te rendre particulier. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous M. Colani Liwab, qui est un cordonnier maroquinier, voilà, et qui a présenté aussi ses produits pour encourager tout simplement, toi qui nous regardes, que si le Seigneur a mis quelque chose en toi, ce n'est pas le moment de faire la négligence. Vous allez voir des gens très excellents. Ils n'ont pas vraiment appris le métier de la couture, mais quand ils prennent la machine, ce qu'ils font, c'est excellent. Mais ils ne veulent pas se perfectionner là-dedans. Non, arrête un peu. Il a son master, mais il ne travaille pas avec le master. Il travaille ce que le Seigneur a mis en lui, quoi. Donc, je crois que tu as compris quelque chose. Et la prochaine fois, tu vas faire des efforts à partir de cette émission pour changer. Colani, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que tu auras un dernier mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Okay. Je profite de l'occasion, de l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui à encourager les jeunes artisans et artisantes qui sont dans le domaine. Leur dire que ce n'est pas facile, mais qu'ils ne se découragent pas, surtout. Et aussi donner un conseil particulier à nos artisans. Et dire à mes aînés qu'on doit être unis, que rien ne peut être construit sans l'unité. Donc, il faudrait qu'il y ait une solidarité, et qu'il y ait le partage de connaissances. Parce que la connaissance ne finit jamais. Il faut toujours faire des recherches, aller sur des choses et partager ses connaissances et s'encourager. Un peu ça ne va pas. Je vois aujourd'hui les artisans, au lieu de travailler, il n'y a pas l'argent, ils sont découragés, ils font des aides, ils sont des aides-man. Mais si on laisse le métier aujourd'hui, à qui on est en train de laisser ce métier, qui va les transmettre demain? Donc je voudrais dire merci. Et merci à tout le monde, à tous les artisans qui s'y mettent, que de ne pas se décourager. Tout pays se construit par l'artisanat. Merci beaucoup, collègue. Le soubassement du Togo. La réduction du taux de chômage a commencé par l'artisanat. Je vous remercie et je vous encourage. Merci beaucoup, Colani. Merci d'être passé. Et j'espère te retrouver un autre jour avec un autre thème forcément à débattre. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission s'arrête ici, mais il faut noter que avant d'exceller en chaque domaine,
il va falloir être particulier, avoir une particularité. Il a cité être sérieux, être patient, être accueillant. Il ne faut pas être un menteur, non. Le Seigneur ne le veut pas. Parce qu'on porte un nom, on est des chrétiens et non des païens. Donc, ce que fait le chrétien doit être différent de ce que fait le païen. Et le chrétien, doit d'ailleurs, doit prôner l'excellence parce que notre Dieu est un Dieu qui est hyper, hyper excellent. Ne sois pas un menteur. Si tu réalises que le Seigneur a déposé des talents, des qualités, des savoir-faire en toi, il va falloir les valoriser parce que personne ne sait l'avenir. Ton diplôme, peut-être demain, ne pourra pas te sauver, non? Peut-être c'est ton art, le talent que Dieu a mis en toi et que tu as reconnu cela et que tu l'as aiguisé. C'est ce qui sera ton bonheur, c'est ce qui sera ton matelas demain, c'est ce qui sera ta maison à étage dans laquelle tu vas habiter. Alors, dis non à la nonchalance, dis non à la négligence, dis non à la paresse. Tu t'enfermes du matin au soir dans la chambre, tu dors, pourquoi? Lève-toi et le Seigneur t'éclairera. Parce que les hommes veulent marcher à la lumière de ton éclat. Alors, sois sérieux dans tout ce que tu fais. Si tu es pasteur, prêche efficacement. Développe l'art de la prédication. Et sois efficace quand tu vas communiquer le message divin au peuple qui t'écoute. J'espère que tu as compris quelque chose. Que le Seigneur te garde. Porte-toi bien. À la prochaine.